Je salue tout le monde, content pour nous retrouver dans une nouvelle sortie dans le cadre de la rubrique technique tactique à Ibo Sport. Côté que aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer ensemble avec la sélection espagnole. Si nous parlons de football possession, nous sommes capables de dire que depuis 15 dernières années, l'Espagne fait être en référence. Le Senrique, comme sélectionneur équipe espagnole, a toujours qu'un football possession. Ensemble, nous allons comprendre comment, dans différents systèmes que l'essai utilisé, il arrive qu'un football possession. Il arrive dominer l'adversaire. Il arrive à progresser avec le ballon, sortir dans le camp pour arriver dans le camp adversaire. Et d'autant plus, si nous considérons par les derniers matchs espagnols, il y a un taux de possession qui est nettement supérieur avec l'adversaire. Comment ça arrive à faire? Dans la sortie de balle, dans la phase de transition au milieu ou bien en phase offensive. Ça, c'est un véritable point que nous allons essayer avec la sélection espagnole. Dans la philosophie du jeu de possession équipe espagnole, il y a deux concepts qui sont fondamentaux. C'est largeur et profondeur. Largeur, parce que l'équipe a besoin de largeur pour étirer les lieux. Profondeur, parce que s'il va jouer une profondeur, c'est clair, il va scorer et il va jouer une progression dans le jeu. Pour l'Espagne arriver à implémenter le jeu de possession, il a besoin d'utiliser l'espace. Et il faut l'utiliser bientôt. Il faut le créer, il faut qu'il y ait un bon positionnement. Positionnement, on a parlé, nous avons deux façons. Soit l'Espagne va attaquer, ou bien le ligne en phase défensive. Côté que l'obligation pour ouvrir le marquage, pour prisonnier sur le terrain. Mais comment nous avons décrit l'occupation d'espace, l'occupation de terrain avec la sélection espagnole? La structure équipe espagnole est basée sur un jeu de position. Le jeu de position en résumé à une équipe qui utilise différents couloirs dans le terrain. On parle de couloirs latéraux et positionnement axial. Tant avec deux arrières centraux, gardien de but, milieu défensif, deux intérieurs ou bien un intérieur en pivot, deux excentrés. Ça va faciliter que l'équipe ça bénéficier non seulement de supériorité numérique, mais j'en aurais dit là, donc supériorité de position par rapport à l'adversaire. Jeu de position, faciliter l'Espagne, développer idée ou bien fond de jeu. En même temps, tout, l'idée de prendre avantage sur l'adversaire là, côté adversaire là qui faille sur le terrain. L'Espagne veut commencer à jouer là de un point A pour mener vers un point B. Dans le langage technique, nous voulons dire que l'Espagne veut commencer à jouer là dans la zone d'initiation. Pour arriver dans la zone de finition avec ballon. Ça demande plusieurs phases. Demande une phase de construction déjà, en construction qui basse, dans la zone d'initiation. On joue en progression dans le milieu de terrain jusqu'à ce qu'elle arrive avec une domination territoriale dans le surface adversaire, côté que on va essayer d'asphyxier l'adversaire là avec une possession. Ça fait nous comprendre que la sélection espagnole là fait une occupation rationnelle de terrain. Nous voyons une équipe qui utilise largeur et profondeur de terrain. Une équipe côté que tout espace est occupé par des joueurs espagnols et que les joueurs ont toujours un avantage par rapport avec l'adversaire. Dans la sortie de balle, dans la construction au milieu, ou bien, je vais vous expliquer dans la phase offensive. Comment l'Espagne arrive à joindre le football ça? Qui ça, Senrique mettait en place pour le footballeur capable d'appliquer et répéter de façon constante sortie de balle jusqu'à la zone de finition. L'Espagne utilise ça notre capacité un jeu de position. Jeu de position qui définit comme joueur pas gain pour la jouer un ballon sinon que gain pour l'occupant espace que lui-même n'est créé ou bien le fixer et que le ballon a venir joindre pour capable progresser avec mener dans l'autre zone. Si l'adversaire veut défendre face à l'Espagne avec une haute pression côté qui veut taper sur cette balle là, l'Espagne utilise deux centraux, une comme un appui qui c'est à droite gardien, une à gauche lui qui pourrait déjà avoir option large de terrain, plus l'Espagne utilise Sergio Busquets ou bien quel que soit le monde qui a une position ça, comme demi-pivot, pour capable d'avoir un appui de supériorité dans la zone ça. En même temps, tout, on est capable de remarquer que deux couloirs latéraux bien utilisés avec latéral droit et latéral gauche là, deux milieux intérieurs ou bien un pivot, nous sommes capables de considérer comme ça avec media punta qui c'est l'autre demi-pointe là, ou bien l'autre milieu intérieur qui a facilité sortie de balle là. Ouvrir intervalle vide que l'équipe adversaire a essayé de mettre, a essayé de laisser. En même temps, nous avons deux excentrés qui sont fixés, plus numéro 9, là, qui est pointe là, qui était pour faire une supériorité de position. On parlait de supériorité. Il est vrai qu'il y a une infériorité, mais on n'est pas capable de comprendre que c'est une supériorité de position parce qu'il a forcé l'équipe adversaire à arrêter avec 4 personnes. Pour eux-mêmes, avec 3 personnes qui ont gagné, ils sont capables de joindre un monde libre pour sortir de balle. Soit sur le couloir droit là, soit sur le couloir gauche là. Il y a une autre option dans sortie de balle, c'est l'équipe espagnole là. Si l'adversaire là marque man to man, l'Espagne choisit d'utiliser gardien de but, comme on appuie d'urgence. C'est Unai Simon qui joue avec Pierre très bien. Donc, il oriente le ballon dans nos zones. L'équipe là, dans la phase de basculation, on a l'autre zone qui est libre. Donc, si le ballon retourne sur Unai, automatiquement, Unai a une possibilité pour que le renverse le ballon sur le latéral opposé, à droite ou à gauche. Ou bien, si pression en droite, il y a une facilité pour connecter avec une ou trois personnes qui sont devant eux pour essayer d'attaquer l'espace qui est dans deux équipes adverses. Si l'équipe là fait un bloc médian, les bails sont une facilité pour progresser graduellement avec le ballon. D'autant plus qu'il y a des joueurs de bonne qualité avec deux arrières centraux qui sont Porto, qui sont Aspilicueta, qui sont Laporte. Il y a une facilité pour conduire le ballon et que le reste de l'équipe espagnole continue à progresser dans le sens profond du terrain. Côté que il y a mis des démarquages ou bien il y a essayé de créer des espaces. Espace qui créé pour utiliser afin que l'Espagne soit capable de continuer dans la progression, possession que le gagne. Donc là, nous comprenons que son équipe, j'en ai dit, qui utilise largeur de terrain et profondeur pour être capable d'arriver à dominer l'équipe là dans le campagne là. Contrairement avec un peu le monde qui trouvait que l'Espagne soit une équipe qui manquait vivacité, c'est vrai. Mais de l'autre côté, moi, je pense que l'Espagne est une équipe qui a de très bonne qualité, qui a deux joueurs qui maîtrisent le sujet à bien, qui sont patients, qui insistent et en même temps qui adaptent à ce que Senrique a proposé. Parce que si nous regardons l'Espagne, pratiquement tout match, ils dominent l'adversaire et nous comprenons ça bien. Toute équipe qui a un bloc, qui a 8-9 joueurs qui marchent devant camp, c'est toujours difficile pour entrer. Ce qui est important, c'est définir le projet de jeu. Ce qui est important, c'est comprendre ce que l'Espagne veut proposer sur le plan offensif. Il n'est pas facile pour dominer l'adversaire devant Cannes, devant 16,50 m là. Pour qui ça? Parce que l'espace là réduit, il y a un pile monde et tant de décisions et d'exécutions sont très minces. Dans le football, toute approche a un avantage et un inconvénient. Présenter l'équipe espagnole là sur le plan offensif, sur construction projet de jeu, sur sortie de balle là, sur facilité de création que gagne ou bien domination que gagne sur l'adversaire là dans la phase offensive là, pas expliquer que l'Espagne sont équipe qui parfaite. Toute approche a un avantage et un inconvénient. Je dis à nous en face de l'équipe espagnole qui a produit un football de possession, mais qui n'a une période de transition avec de nouvelles têtes dans la sélection espagnole. Là. Avec l'idée et la philosophie de Senrique, on espère que l'équipe soit capable de rythme, capable d'intensité, capable de production et qualité de football pendant plusieurs années encore.